Comment vous sentez-vous dans cette rentrée, une entrée dans un contexte aussi singulier que celui que nous traversons depuis maintenant 18 mois? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez aussi pu vous poser des vraies questions sur ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez être? Comment vous vous positionnez par rapport à ce qui se passe, par rapport aux autres, par rapport au monde? Est-ce que vous avez vécu des clivages au sein de vos cercles, de votre famille, des gens que vous aimez? Est-ce que professionnellement, vous vous sentez aligné ou là aussi en décalage avec un besoin de repositionner votre vrai désir et votre vraie utilité? Utile, pour moi, c'est un terme essentiel parce que quand on est utile, c'est que l'on répond quelque part à un désir profond de notre âme, de notre être, d'être présent au monde et de marquer par une trace, un parfum, ce que l'on vit, ce que l'on traverse. Les 25 et 26 septembre, je réunis 6 à 7 femmes chez moi, dans mon lieu du 14e siècle qui se trouve près de Royan, en pleine nature. Évidemment, il y a du beau puisque c'est un lieu hors norme. Il y a une piscine, il y a un spa dont on va pouvoir profiter. Mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous serons des femmes qui vivent la sororité comme un état naturel, qui vivent la spiritualité comme une connexion nécessaire à son être, à son âme, à ce que l'on a vraiment envie de vivre. Des femmes qui ont des niveaux professionnels et des engagements forts, mais qui veulent apporter dans ce domaine-là une vérité, une résonance. Des femmes qui ont envie d'être à leur juste place, à leur place. Pour ça, on va développer notre puissance intérieure, notre puissance féminine, on va la libérer. Pour la libérer, on va déjà se projeter vers qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça n'est pas simple. Cet été, je me suis beaucoup interrogée sur « Que veux-tu vraiment, Edith ? Que veux-tu vraiment ?» Je commence à m'en approcher. Mais ça n'est pas simple si on veut savoir ce que l'on veut au cœur de soi, dans son être, dans son cœur. C'est pas ce que le mental veut. C'est pas une prolongation du passé, c'est parfois une disruption. On va aussi passer par notre syndrome de l'imposteur, notre sensation d'être illégitime, qui est vraiment le lot de beaucoup, beaucoup de femmes. Aussi de quelques hommes, c'est vrai. Mais je travaille sur nous, les femmes. Et donc, aller débloquer ce fameux syndrome de l'imposteur qui vous habite probablement, comme il nous habite tous, et aller voir lequel, parce qu'il y en a plusieurs, et j'ai identifié trois sphères majeures dans lesquelles ça s'exprime. Et puisque j'ai cette capacité, on va dire, entre guillemets, chamanique, d'aller au cœur du réacteur, je vais pouvoir, pour toutes celles qui me l'autoriseront, aller chercher la petite pièce spécifique qui bloque, parfois depuis longtemps. Il y a quelques jours, quelqu'un que j'accompagne en mentorat, c'est un homme, j'ai quelques hommes que j'ai acceptés, souvent des hypersensibles, des hommes très fins, me dit « Edith, tu as explosé en 20 minutes une problématique qui perdurait depuis 10 ans et sur laquelle j'ai travaillé longtemps. » Parce que à ces moments-là, quand c'est juste, quand c'est le bon moment, je sais me laisser guider par une puissance qui me dépasse, qui me permet d'aller au cœur du réacteur et schlac, de la libérer. Toutes les membres de mes masterclass l'ont vécu. J'ai ce don-là, ce talent-là, qui est vraiment inestimable et sur lequel je n'ai même pas travaillé finalement, parce que je dois au contraire m'abandonner à ce qui vient. Et puis après, on va aussi poser des stratégies, parce qu'on est là pour appliquer dans la matière la projection de nos rêves, de nos désirs, de notre légitimité vers quelque chose de concret. La dernière masterclass, je me souviens de Soline Bossis qui témoigne très souvent pour moi, qui a, au-delà du fait qu'elle a débloqué une légitimité, compris son histoire du fil rouge au fil d'or, d'où elle venait et ce qui lui donnait sa puissance et son unicité,
Elle a fait en 2 mois le chiffre d'affaires de l'année précédente, à l'issue de la masterclass. Donc il y a aussi des effets pour celles qui en ont besoin, matériels, puissants. Si c'est juste, nous les aurons. Si ce n'est pas utile, il y aura d'autres choses majeures. Ce que je sais aussi, puisque j'ai pris le temps d'écouter ce matin un certain nombre de témoignages, c'est que le travail qu'on va faire ensemble, il aura un effet très en profondeur pour toujours. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Je pense à Henriette Deleuze, qui a fait partie d'une de mes masterclass que j'ai mentorée, et qui exprime et dit « Tu m'as mentorée, mais je réalise à quel point la puissance se manifeste encore aujourd'hui. » Donc on va travailler sur de la profondeur. On va travailler sur des sauts, comme on dit souvent aujourd'hui, des sauts quantiques, c'est-à-dire passer d'un ancien paradigme intérieur à un nouveau paradigme et aller chercher votre puissance féminine. Ça sera du sur-mesure, chacune aura ce qu'elle est venue chercher. Cette masterclass va se structurer en 3 phases. Avant, une session individuelle chacune, vous et moi, et une session de groupe pour commencer à mettre une alchimie, une magie entre vous et vous présenter. La masterclass qui dure 2 jours et 3 nuits pour celles qui peuvent se l'autoriser ici, près de Royan. Et après, une session individuelle très puissante et de la même manière, une session de groupe pour clôturer. Vous aurez aussi une communauté Facebook qui vous réunit. Je pourrais vous mettre en lien avec d'autres personnes de mon cercle, de mes cercles, si je vois que c'est utile. Donc, c'est cela que je vous propose de vivre. C'est exceptionnel, j'en fais peu souvent, ça a une valeur immense. Parce qu'il y aura à la fois le beau, l'esthétique, l'hédoniste, le bien, parce qu'on va être au cœur de votre essence, de votre être, et le bon pour la construction de ce qui vient après et que vous allez venir consolider avec moi ensemble. Je vous donne à côté de la vidéo tous les liens pour vous inscrire dans cette masterclass. Il reste peu de place. Profitez-en. Ça changera votre vie. Je suis Edith Lassia, la mentor des femmes qui veulent contribuer à changer le monde, des femmes d'influence. Et je vous attends chez moi les 25 et 26 septembre.